Maintenant, nous allons faire quelque chose qui va beaucoup vous amuser. Nous allons jouer un merveilleux jeu qui s'appelle « Qui est mon papa et qu'est-ce qu'il fait ?» Oui ? Il est pas pompier, votre papa ? Il doit être musclé, c'est un champion de boxe. Il est entraîneur de basket ? Non. Ça va pas bien ? J'ai mal à la tête. C'est peut-être une tumeur du cerveau ? C'est pas une tumeur au cerveau. C'est absolument pas une tumeur. La règle de mon jeu, c'est, vous me dites à moi, qui est votre papa et ce qu'il fait dans la vie. C'est clair? Bon, on commence par ici, toi. Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Mon papa, il fait rien du tout depuis le crack de Wall Street. Mon papa donne de l'argent à des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent ou pas du tout. Et après, ces personnes se servent de l'argent. Et ils rendent de l'argent, mais pas le même. Et après, mon papa récupère la même somme d'argent. Mon papa, il habite plus à la maison, il habite à New York et il est chauffeur de taxi. Ma maman espère qu'il va mourir dans pas longtemps. Mon papa, il fait rien que regarder la télévision. Mon papa travaille dans l'informatique. Et il est le patron de sa compagnie. Et il a une grosse moustache. Mmh. Oui, et il n'a pas beaucoup de cheveux. Il a une tête tellement grosse, il ne trouve pas de chapeau à sa taille. Mon papa est divorcé, ma maman est divorcée. Mon papa est psychanalyste, il aide les gens qui vont pas bien dans leur cœur, qui ont des sentiments fatigués, c'est tout. Notre maman dit que notre papa est une bombe sexuelle. Ça ira. Moi, mon papa, je sais pas ce qu'il fait. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il habite en France. Mon papa, il est gynécologue. Il regarde des vagins toute la journée. Mi papa travaille la casa y él juega conmigo mucho. Merci, c'est très bien. Bon, le suivant. Comment il s'appelle celui qui me tourne le dos là-bas? Il s'appelle Jacques Sullivan et il déteste qu'on lui adresse la parole. C'est un pipi caca. C'est un caca boudin. C'est un caca boudin. Silence. Ça suffit. Zach, c'est ton papa qui t'a appris à jouer à ce jeu. Enfin, Zach, il vaut mieux jouer ensemble, c'est beaucoup plus drôle. Laissez-moi tranquille!